Bonjour, je suis très contente de vous retrouver. On va faire une nouvelle séance ensemble et on va faire comme quand on est en cours, quand on se voit. Alors, on s'assoit tranquillement. Hop, je m'éloigne et on va se mettre dans sa bulle pour commencer le cours, d'accord? Et pour être bien concentré. Allez, avec moi. Je me mets dans ma bulle, je ferme ma bulle. Et je respire, je me calme. Et j'ouvre ma bulle. Bonjour. On le fait une deuxième fois pour être sûr d'être bien concentré et bien calme. Je ferme ma bulle tout doucement, tranquillement. Je suis bien dans ma bulle à moi. Je me calme. Et j'ouvre ma bulle. Super. On met le corps en mouvement. Allez, avec les doigts, on tapote. On tapote au sol. Mais vous gardez les fesses collées. Vous avez de la colle sous les fesses. Et vous laissez les fesses collées. Et on tapote. Et on va loin. Et sur le côté. Et devant. Et de l'autre côté. Et on tapote. Et on tapote. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et on revient. Et ça, vous connaissez très bien. Tendez les deux jambes. Et attention, je veux vous voir, je veux vous entendre. Tremblement de terre. Encore. Je me mets comme ça. Tremblement de terre. On est prêt pour commencer. Alors, je vais juste mettre un petit peu de téléphone comme ça. Voilà. On va travailler nos équilibres, les enfants. Allez, avec moi. Hop, on tient sur un pied. On reste comme des statues. Vous y arrivez? J'espère que vous y arrivez. Et hop, on change. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Vous essayez. Et hop, on change. Et on change. Et les enfants, si jamais c'est trop facile, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez refaire la même chose, mais en fermant les yeux. Oh! Hop! Et on ferme les yeux. C'est dur, ça, hein? De l'autre côté. Et on ferme les yeux. Encore. Vous essayez ça, là? Montrez-moi. Même si je ne vous vois pas derrière l'écran, je vous imagine. Encore avec moi. On se met sur un pied. On décolle l'autre. On reste les yeux ouverts. Ou on ferme les yeux. Allez, moi je ferme les yeux. Hop là. Hop là. Ouvrez. On pose. On change. Et si on veut, on ferme les yeux. C'est pas facile, hein? Vous pouvez vérifier, hein? J'ai bien les yeux fermés, hein? J'espère que vous aussi, hein? Oh. Et on relâche. Ah. On essaye ensemble. Je vais mettre une petite musique que vous adorez. Et vous allez, sur la musique, me montrer le cloche-pied. Oui, on fait ça ensemble. Allez, je sais que vous adorez cette musique, les enfants. Elle arrive, elle arrive. Je suis là. C'est l'heure de la gymnastique. Tic, tic, tac. C'est la tactique pour être d'attaque. Tic, tac. Allez avec moi. Faut être agile comme un moustique. Et souple comme un élastique. On change. On reste droit debout. Les deux mains sur la tête. On bouge les gambettes en levant les genoux, les deux mains
sur les hanches. À on change ici à droite. Allez, on s'abaisse, on se penche. En comptant jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Changez. On se baisse. On se baisse. On se baisse. On se baisse. Super. Et maintenant, on danse comme on veut. Dansez les enfants, dansez. C'est l'heure de la gymnastique. Tac, tic, tac. C'est la tactique pour être à... Allez, on y va. Montrez-moi comment on court. Montrez à papa et maman. Allongé sur le dos. Et on recommence. On lève les jambes. Cloche-pied. De ça, on essaye d'attraper son sommeil. On danse avec son ventre. On le sort, on le rentre. On lève les bras au ciel. Pour tout le soleil. 1, 2, 3, 4. À gauche. Cloche-pied, encore, cloche-pied. On change. Ah, bien. Ah. Hop là. Bien. Ça va les enfants? Ok. On va faire le jeu des statues, d'accord? Je vais mettre la musique, vous connaissez. Et dès que je stoppe la musique, vous, vous vous arrêtez. Vous vous arrêtez comme vous voulez, mais sur un seul pied. D'accord? Ouais? On y va? Alors, hop. Vous êtes prêts, j'espère, hein? Vous pouvez aller boire un petit coup si vous voulez. Titoutoutou. Voilà. Voilà. Allez, vous dansez les enfants. Vous dansez, vous bougez. Vous bougez comme vous voulez. Et quand j'arrête la musique, vous vous arrêtez sur un pied ou sur l'autre et vous faites stop. Comme des statues. Et vous restez. Et quand je remets la musique, on repart. Allez, moi je vous regarde danser. Allez-y, dansez les enfants, dansez. Oh! Je suis sûre qu'il y en a qui ont bougé. On reste sur le pied. Tant que la musique n'a pas redémarré, on reste sur le pied, les enfants. Ah! Ça a été un peu vite. Statue. On redanse. Statue. On danse. Statue. On danse. Statue. On danse. Et vous pouvez reposer. Alors, on va faire la même chose, le jeu des statues, sauf que vous dansez et dès que la musique s'arrête, les enfants, hop, vous mettez sur le ventre. Et dès que la musique reprend, hop, le plus vite possible, on se remet debout. Ok? Allez, go. What is it?
On s'allonge sur le ventre. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et on se redresse. Et bougez, dansez. Comme vous en avez envie. Bougez comme vous en avez envie, les enfants. Oh oh! Tout le monde n'est pas allongé sur le ventre. Oh! Ah. Sur le ventre? Debout? Sur le ventre? Debout? Sur le ventre? Debout! Sur le ventre! Et puis, alors, on va faire une dernière fois ça, sauf que vous connaissez aussi, vous allez vous mettre en boule, comme une boule de neige. Vous dansez quand vous en avez envie, et quand la musique s'arrête, hop! En boule. Et vous vous souvenez, moi, quand on se voyait, hop, je venais voir si la boule de neige, elle tenait bien, bien fort. Ouais. Et ensuite, dès que la musique reprend, on se relève et on danse, on bouge. Allez, go pour ça, les enfants. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Boule de neige! Allez, tout le monde en boule de neige! Montrez-moi ça! Restez, tant que la musique n'a pas démarré, on reste, hein! Ah, boule de neige! Et on repart! Allez, bougez comme vous voulez. Oh, boule de neige. Boule de neige, debout. Boule de neige, debout. Boule de neige, debout. Boule de neige. Et vous restez en boule de neige. Ça va vite à la fin, je vous fais des petites bêtises. Ça va toujours? Alors, la séance, elle est bientôt terminée déjà. On va faire des animaux, on va faire deux nouveaux animaux. Parce que sur toutes les vidéos, je sais que vous les avez fait et que vous les connaissez. On va en faire deux nouveaux. Alors, on va faire l'ours. Comment on peut faire l'ours? Est-ce que vous voulez bien essayer de réfléchir et d'essayer là? Avec papa, avec maman, avec le grand frère, la grande sœur ou tout seul? Comment on pourrait faire l'ours? Vous avez une idée? Vous me montrez ça, les enfants? Allez-y. Allez-y chez vous. Comment on pourrait faire l'ours? Après, il y a plein de façons de le faire, hein. Moi, je vais vous montrer une façon, mais c'est peut-être pas celle que vous préférez, hein. Est-ce que je vous montre, moi, comment j'ai envie de faire l'ours? Ouais? Je vous montre, moi? Alors, l'ours, il est assez gros, il est un petit peu pâteau, hein, les enfants? Alors, l'ours... On va le faire, vous avez les jambes un petit peu pliées et vous avez les bras, la tête en bas et puis l'ours, boum, il s'en va, boum, il se promène, comme ça. Vous avez les genoux pliés et puis la tête, les bras et le buste sont vers le sol. C'est l'ours, un petit peu nonchalant. Vous le faites avec moi? Vous faites l'ours? Mmh. Et là, vraiment, boum, 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 on laisse tomber. Ouh. Est-ce que vous l'avez, l'ours? Vous me montrez, les enfants? Allez, montrez-moi les ours mal léchés.
Alors, si vous voulez vous le referez, moi je vous en montre un autre. Le lapin. Alors, on a déjà fait le lapin. Mais là, j'ai une autre version du lapin. D'accord ? Je sais que vous connaissez le lapin qui fait les mains, les pieds. Les mains, les pieds. Il est top. Nous, on va faire aujourd'hui le lapin qui est complètement fou. Complètement fou, complètement fou. Alors, on va essayer ensemble. Vous allez bien regarder. On pose. Tiens ! Le lapin complètement fou. D'accord ? Nous, on connaît le lapin qui fait je pose. Je pose. Je pose les mains. Je pose les jambes. Et bien là, on va faire le lapin. Je pose les mains. Youhou ! Les jambes en l'air. Je pose les mains. Youhou ! Ouais, vous me le faites ce lapin complètement fou. Tchou, tchou, les jambes en l'air. Allez, vous me montrez ça. Ils sont complètement fous, lapin complètement fou, j'en suis sûre. Ok, vous refaites ça si vous voulez. Moi, comme je vais arrêter la séance, petite séance ici, on va faire venir Monsieur Pirouette, que vous connaissez. Faites venir Monsieur Pirouette dès que vous en ressentez le besoin, les enfants. Monsieur Pirouette, il est là pour vous écouter et pour vous calmer. Alors, vous pouvez vous allonger sur le dos, d'accord ? Moi, je vais rester assise avec vous, mais vous pouvez vous allonger sur le dos. On prend son temps, les enfants, on s'allonge. Et on fait venir Monsieur Pirouette. Et Monsieur Pirouette, lui... il marche tranquillement sur le ventre. Je vais m'allonger avec vous, ce sera mieux. Et ce Monsieur Pirouette, quand je gonfle le ventre, il est sur des montagnes. Quand je relâche le ventre, il est dans des creux. Il est sur mon ventre, il se promène, il me fait des petits guilis de ventre tout doux. Je gonfle mon ventre, je fais rentrer de l'air pour que Monsieur Pirouette soit sur les montagnes. Et je vide l'air pour que Monsieur Pirouette soit dans un creux. Est-ce que Monsieur Pirouette est content de ce qu'il vient de faire? Est-ce que vous êtes content de ce que vous venez de faire? Alors, Monsieur Pirouette, on lui dit au revoir et on lui dit à bientôt. Et moi aussi, les enfants, je vous dis au revoir, je vous dis à bientôt et je vous fais plein, plein de gros bisous.